Good morning, allez, Idan, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Avram Chaim, Norbert, Ben Fortune, Mazaldov, Ben Yudit, Mecha Machlouf, Ben Masoud, Ben Achman, Yosef, Ben Nachum, Yaakov, Nissim, Ben Chana, René, Avraham, Ben Mordechai. Si vous souhaitez aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions à Sechet Mila, Périgimel, Mishnah, Chet. Ken, Shberosh, Ha'ilan, Beshalekdesh, Lo Nenin, Velo Malin. Sheba Ashera, Yatiz, Bakane. Amagdish Atachoresh, Moalin, Bekulo. Agisbarin, Shalakro, Etaetim. Moalin ba'etim ve'en moalin lo ba'shipui ve'lo ba'neviya o ba'nemiya, ça revient au même et on expliquera ensuite. Pour le moment, on commence avec la première partie de la Mishnah. Ken un ni sheberosh ha'ilan shel hekdesh, à la tête d'un arbre, à la cime d'un arbre du hekdesh qui a été sanctifié. La Mishnah me dit lo ne'nin ve'lo moalin, ni on tire profit, on ne peut pas en tirer profit, mais on ne transgressera pas l'interdit de meila dessus. Et je continue encore trois mots. Sheba Asherah, si c'était dans un arbre de Asherah, d'une avodazara, alors la Mishnah me dit, va Asherehem tisrefun ba'esh, leur Asherot, c'était dans l'avodazara, il fallait toujours qu'il y ait un arbre à côté du temple de l'avodazara, je ne sais pas pourquoi exactement, mais en tout cas, la Torah nous a donné, non, là on parle de Asherah, c'est un vrai arbre de l'avodazara, qu'il faut en tout cas le brûler, c'est mes forages dans la Torah, va Asherehem tisrefun ba'esh, et maintenant dans cet arbre, il y a eu de nouveau un nid, tout en haut, eh bien la Mishnah me dit « Yatiz bakané », tu le feras sauter avec un bâton, c'est-à-dire, tu n'as pas le droit de monter sur l'arbre pour aller le chercher, mais tu récupères le nid. De quoi on parle exactement? C'est très simple. Vous avez bien compris, déjà, on parle de deux formes d'interdit de profiter d'un arbre, soit parce qu'il est kadosh, parce qu'il était sanctifié, soit parce qu'au contraire, il est avodazara. Dans les deux cas, je n'ai pas le droit de tirer profit de l'arbre. Maintenant, je me retrouve avec un nid au-dessus, qui est tout en haut. Alors, la Mishnah me dévoile, en fait, je vous disais, explique, il y a un petit problème de lecture dans la Mishnah. Car en réalité, on a l'impression qu'il y a une différence entre l'arbre qui est Kadosh et l'arbre de Avodah Zara, mais concrètement, il n'y a aucune différence. Sauf d'après le Tiferet Israël, mais d'après les autres Mefarshim, il n'y a aucune différence entre les deux. Les halachot sont exactement les mêmes. Donc je vous dis d'abord toutes les halachot, comme ça on est d'accord. Je vous explique. Il y a le nid, il va falloir parler du nid et des petits qui sont dedans aussi. Le nid lui-même, s'il a été fait avec des brindilles de l'arbre, qui est Kadosh, ou de Hachéra, alors on n'a pas le droit de tirer profit du nid, bien évidemment. D'accord? C'est de l'arbre qui assourd. Mais là, on parle qu'on a vu les oiseaux apporter des brindilles de l'extérieur et former leur nid. Donc, j'aurai le droit de tirer profit du nid, mais à moitié, pas exactement. On va expliquer. Grimper sur l'arbre, j'ai pas le droit. Profiter même du nid lui-même, je parle du rond du nid qui a été fait avec de toutes les brindilles qui ont été réunies, j'aurais pas le droit d'en tirer profit parce qu'on interdit de tirer profit de ça, de peur qu'on va ensuite tirer profit un jour avec le nid qui a été fait avec les brindilles. Donc on interdit ça. Ce qui me reste, c'est les petits oisillons. J'ai le droit de me débrouiller pour mettre un coup dessus, pour faire tomber le nid et récupérer les petits oisillons et en tirer profit. Mais attention! On parle de petits oiseaux qui sont capables qui sont plus dépendants de leur mère. Parce que s'ils sont dépendants de leur mère, alors là on retombe dans un autre problème, c'est qu'ils sont tellement petits que je vais mettre un coup pas assez fort, je vais essayer de les faire tomber sans vraiment les faire tomber, puis à la fin je vais me retrouver à monter sur l'arbre. Donc en réalité, la Mishnah m'enseigne tout simplement que, premièrement, je n'ai pas le droit de monter sur l'arbre, je n'ai pas le droit de tirer profit de l'arbre, je n'ai pas le droit de tirer profit des brindilles qui viennent de l'extérieur, de peur qu'on va les confondre avec les brindilles de l'arbre. Il y a une chose qui est permise, c'est de récupérer les petits, à condition que ce sont des petits qui sont capables que, lorsque je vais leur tendre le bâton, ils montent sur le bâton et je les fais descendre. Ou je les pousse un petit peu une fois qu'ils sont à ce niveau-là. Alors dans ce cas-là, j'ai le droit de tirer profit des petits. Ok? Mais s'ils sont tellement petits qu'ils ne sont pas capables de faire ça, et sauf si je les fais en équilibre instable, je vais commencer à les prendre dessus, ça risque de tomber, je vais avoir des problèmes comme ça, eh bien, et là, on craint que je vais finalement monter sur l'arbre et je n'ai pas le droit de tirer profit de l'arbre. D'accord? Et c'est ce que la Mishnah m'enseigne. Alors maintenant, la Mishnah, elle m'a dit, les halachot sont les mêmes, pour le Hekdesh et pour la Hachera. Seulement pour le Hekdesh, j'ai voulu t'apprendre que sache que malgré tout, tu n'as pas le droit d'en tirer profit du nid, si c'était du nid des brindilles, mais sache qu'il n'y aura pas d'interdit de Meïla. Pourquoi? Parce que finalement, les brindilles, elles viennent de l'extérieur. Ou si c'était des... D'accord? Les brindilles viennent de l'extérieur, seulement on a interdit de peur que tu vas le confondre avec un autre, avec des autres brindilles. Pour la Hachera, alors on est venu t'apprendre maintenant comment concrètement exploiter le problème. Comment exploiter le tirer profit, réussir
à t'approprier les petits oisillons qu'ils ont dedans. Donc, on a fini la première partie de la Mishnah, je refais ça en mots. Ken, Sheberosh Ailan, un nid qui a la tête d'un arbre, Shelekdesh, qui appartient au Ekdesh. L'onehenin, on n'a pas le droit d'en tirer profit, Velo Moalin, mais ça interdit que Midérabana, il n'y aura pas d'interdit de Meila, de sacrilège, parce qu'en réalité, le nid lui-même n'est pas Kadosh, parce qu'il a été fait avec des bandits d'extérieur. Mais j'aurais quand même le droit de profiter des oisillons, c'est ce que la Mishnah m'enseigne ensuite en me disant Sheba Sheira. Quand, par contre, quand si le nid était, ça a été fait sur un arbre de Hachéra, de Avodah Zara, qu'on a parlé de tirer profit, malgré tout, il y a Tisba Canet, tu le feras tomber avec un canet. Attention, qu'est-ce que tu feras tomber avec le bâton? Pas le nid lui-même, mais les oiseaux. D'accord? Le Tosotim Tobel explique que il y a Tisa Efrochim, c'est la Gemara qui le dit en fait. Il faudra faire sauter les petits oisillons, tu pourrais les faire sauter avec le bâton. Mais pas le nid lui-même, parce que le nid, on n'en tire jamais profit. Ok, tout ça, c'est de peur que tu montes sur l'arbre, et qu'il y ait un interdit de profiter de l'arbre. Deuxième partie de la Mishnah, Magdish Atachoresh, celui qui va sanctifier une forêt. J'étais propriétaire d'une forêt, on s'entend, ça peut être quelques hectares de... Enfin, je sais pas, un certain périmètre d'arbre, une forêt, je l'ai sanctifié. Eh bien, sache que Mo'alin Bekulo, on fera, on transverse, ça y aura un interdit de Meila dans tout ce qu'il y a dedans. Pas seulement les arbres, mais même les feuilles qui vont tomber par terre. Il y a de quoi faire avec les feuilles, ça peut être servir et utiliser, recycler, eh bien il y aura un interdit de Meila sur ces feuilles. D'accord? Autre sujet semblable, Agizbarim Shelakro et Aetzim, les trésoriers du Beth Amikdash qui ont acheté des bois. Ils sont partis chez quelqu'un qui avait une forêt, il avait un grand parc, il y avait dedans plein d'arbres, ils sont partis acheter les bois parce qu'ils avaient besoin de fabriquer des poutres. Donc ils ont dit, maintenant tous les arbres qui sont là, on veut tous les prendre, nous on va s'occuper de couper les arbres, de les apporter ensuite au Beth Amikdash. Ils sont venus, ils ont payé un certain prix. Donc maintenant il s'avère que tous les arbres, ils sont devenus kadosh. Mais la Mishnah m'enseigne, sache que cette fois-ci, Mo'alin Ba'etzim, tu transgresseras l'interdit de Meila si tu tires profit des arbres, du bois lui-même. Par contre, Ven Mo'alin Loba Shipouy, par contre, il n'y aura pas d'interdit de Meila, ni dans le Shipouy, dans la sciure, Velo Ba'neviya, et ni dans les Nevia, c'est les feuilles qui sont tombées. Et on explique un petit peu de quoi on parle. Vous avez compris qu'auparavant, on a parlé que j'avais sanctifié une forêt. Lorsque j'ai sanctifié la forêt, tout ce qui est dedans, c'est interdit. Parce que tout ce qui est dedans, il y a une valeur monétaire, ça coûte de l'argent. Et c'est sûr que ça appartient au Ekdesh, puisqu'on l'a sanctifié. Donc, dès qu'on va tirer profit de n'importe quoi, on va transgresser un interdit de Meila. À la différence du cas de la suite de la Mishnah, où on a les trésoriers du Beth Amikdash qui sont venus, qui ont acheté pour le Beth Amikdash. On avait besoin de poutres pour le Beth Amikdash, il a fallu élargir quelque chose, peu importe. On a eu besoin de poutres. Donc du coup, on est parti acheter du bois à l'état brut. Il faut maintenant qu'on sache quelque chose de super, c'est que lorsque tu es venu acheter le bois, c'est vrai qu'aujourd'hui, le bois, c'est des bois, dans le sens du terme, des bois, des forêts. D'accord? Un arbre planté. Mais en réalité, ce que tu veux, ce pourquoi tu as payé, c'est spécifiquement les poutres. De ce fait, tu vas venir maintenant, tu vas commencer à abattre les arbres. Il va y avoir toutes sortes de copeaux qui vont sauter. Ces copeaux-là, c'est du bois. C'est utilisable pour la fabrication des poutres. Il y a de quoi faire pour la construction. Par contre, toutes sortes d'impuretés, des feuilles, comme la Mishnah me dit tout de suite, l'anémia, ou même mieux que ça, lorsque tu vas scier, il va y avoir de la sciure qui va tomber. Cette fois-ci, il n'y a plus rien à faire avec. Donc, c'est sûr que vous, le Beth Amikdash, vous n'avez pas payé pour cette sciure et vous n'avez pas payé pour ces feuilles. Dans ce cas-là, il n'y aura pas d'interdit de Meila sur la feuille morte et sur la sciure. Il n'y aura que sur les poutres elles-mêmes ou sur le petit copeau, comme ce qu'on a expliqué. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.